cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Regardez, il y a des petits flocons de neige. Oh non, il neige. Et ce matin, je me suis levée en disant, j'aimerais trop qu'il neige. Oh non, je suis trop contente. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 3. Aujourd'hui, on est samedi 2 décembre. Il est midi 15. Ce matin, franchement, j'ai pris mon temps. Je me suis préparée. Là, j'ai fait une coiffure... Ça me fait une tête de pouce, je trouve. C'est horrible, cette coiffure. Mais les cheveux... ils n'étaient pas ouf à cause du temps d'hier. Du coup, je me suis préparée. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Là, il y a toujours le bazar à fond parce que hier, j'ai pas rangé ma valise de produits. J'ai fait un haul à mon copain, donc il y en a partout. Allez, on va ouvrir les calendriers de l'Avent et aujourd'hui, on a le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le petit village? Purée, je le cherchais depuis tout à l'heure, il est là. C'est une grosse case chez Rituals. Ah, au fait, regardez le petit pinceau d'hier du calendrier Real Techniques. Il est tout petit et franchement, pas mal du tout, ça, pour mettre dans la trousse de voyage. Numéro 2. Et le numéro 2 chez Real Techniques. On va commencer par ça, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des ciseaux. Les trucs sont super durs à sortir, mais des ciseaux pour faire quoi? Après, j'avais pas des six petits ciseaux comme ça. Et pour couper les fossiles, franchement, ce sera pratique. Un peu surprise de l'accessoire, mais finalement pas déçue. Ensuite, on va ouvrir dans la petite maison. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un petit pompon à parfumer. Une brume du rituel de Legend of the Dragon. Avec le pire accent du monde. Bah, du coup, je connais déjà, puisque j'ai ouvert pas mal de calendriers. C'est sympa qu'on retrouve ce truc avec la brume. Non, mais j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est mieux comme ça. J'ai attaché vite fait. Hein. C'est pas bien attaché, mais au moins c'est déjà mieux comme ça. Je vais ouvrir le petit bijou. C'est plus lourd qu'hier, donc je pense pas que ce soit une bague. Genre un collier peut-être. Oh, des boucles d'oreilles. Trop bien, parce que du coup là j'ai les cheveux attachés, donc je vais direct les essayer. Est-ce que je vous les montrerai pas quand même avant? J'aime beaucoup, franchement. J'ai pas ce genre de boucles d'oreilles. Voilà ce que ça donne du coup. Je sais pas si on verra bien. Voilà pour les cases du jour. Maintenant, je vais ranger un peu tout ça. Étendre ma machine qui est terminée. Et après, bah, on va finir la déco de l'appartement, les coussins, les rideaux, tout ce que j'ai acheté hier, le centre de table. Et je vous ai pas montré, du coup, j'ai le droit de vous montrer ce que j'ai mis dans le calendrier de mon copain hier. Oh, il y a une mèche là, elle est rebelle, elle veut faire ça. Du coup, dans la première case, j'avais mis ce petit produit. C'est un baume à barbe bio de la marque Sapiens. Et j'avais mis aussi un petit peigne comme ça pour démêler la barbe. Voilà, ça c'était la première case. Et la deuxième, celle d'aujourd'hui. J'ai mis ça, un truc au chocolat et à la pistache de chez Coro. Et un Kinder Bounty. C'est pas du tout Kinder, je sais pas pourquoi j'ai dit Kinder, mais un Bounty. Voilà, du coup j'ai sorti tous les trucs pour faire le centre de table. Donc on va faire ça tout de suite. J'ai hâte aussi, là normalement on finit toutes les décos et du coup on enlève tous les cartons ce soir. Donc normalement ce soir plus de cartons, enfin. Donc je vais faire le petit centre de table, est-ce que vous voyez? Pas vraiment. Donc on a le petit sapin, le petit cerf du coup qui ressemble à ça, je vous l'avais pas montré hier. Les petites branches, tout vient de chez Casa. La bougie et les petites boules, je vais en utiliser 2-3. Mais les autres, je les utiliserai ailleurs, parce que j'aime bien, je les trouve jolies. Alors, déjà, je vais pas tout mettre les branches, genre, je pense, peut-être 2. Je sais plus comment on avait fait. J'espère que la neige, elle va pas trop être volatile. Ah, elle est super légère et volatile. Mais elle est très jolie, en tout cas. Je me dis, si c'est trop volatile, j'essaierai de mettre de la laque un peu dessus. Je vais envoyer une photo à ma mère pour savoir si c'était ça qu'elle voyait. Enfin, si c'était comme ça qu'elle voyait la disposition. Du coup, vous l'aurez compris, mais je réutilise pas ce petit plateau. Et je vais mettre
uniquement celui-ci en centre de table. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup le résultat, je le trouve trop joli. On verra plus ce que ça donne quand j'aurai enlevé tout ce qu'il y a enlevé sur la table. Qu'est-ce qu'on a à part tout ce bazar? Bon, ça, à mettre à laver dans la prochaine machine. Ça aussi, je vais prendre ça. Ah, mais je pense à une chose par contre. Il y a les rideaux à changer aussi. Bon, après, c'est pas des rideaux de Noël un peu, hein. C'est des rideaux juste en velours, mais ils sont terracotta. Oh non, il y en a une de cassée. Il y en a plusieurs de cassées. On va regarder aussi ce que ça donne, parce que pour le coup, j'ai aucune idée d'à quoi ça peut ressembler. Mensonge! Sur la boîte, c'est noir. Noir. C'est complètement marron. Bon, il faut des piles. Heureusement, j'ai tout fait charger. Je vais aller en chercher. Déjà, ça marche. Faut pas que j'abîme les fleurs de coton. Peut-être comme ça. On va voir, je vais déjà changer les rideaux. Ah, j'ai aussi les coussins à aller chercher. Enfin, les housses de coussins. Déjà, je vais changer mes rideaux. Ceux-ci, je les garde. Hein. Ils sont en lin, ils sont trop beaux. Je serais contente de les retrouver un petit peu plus tard. Par contre, avec les rideaux, j'avais des voilages. Les voilages, pour le coup, je pense pas que je vais les mettre parce que j'aime pas du tout la matière. Oh non, ils ont pris l'odeur des voilages que j'aime pas du tout. Vous voyez, c'est des rideaux terracotta comme ça en velours. Je pense que ça ira grave bien dans l'esprit de Noël. Par contre, va falloir que je les lave. Non mais combien je vais faire de machines aujourd'hui? J'en suis déjà à deux. Va falloir que je fasse des petites machines courtes pour relaver un peu le rideau. Bon bah du coup, je vais pas les mettre tout de suite. Hein. On va attendre que ma machine soit terminée et je les passerai en machine. Là, l'odeur est vraiment très très forte. Du coup, je vais en profiter pour finir le sapin avec les boules que j'ai achetées. Hier, les dorées, je vous les ai pas montrées chez ma mère parce que j'avais pas envie de les déballer. Les dorées, elles ressemblent à ça. Vous voyez, c'est un doré très doux, un peu champagne. Et il y a un petit peu des petites paillettes, et j'en ai 4. J'ai 6 rouges mat, et si jamais je trouve qu'il en manque, et ben je rajouterai une ou deux brillantes. Bon voilà, j'ai rajouté toutes les boules que j'avais. Il me reste que les brillantes. Je vais monter le petit tabouret. Je pense que ça va être très très simple à monter. Demain, on va monter un meuble. Je vous spoil pas. Purée, il n'y a que 4 vis. Je prends ma visseuse. Ce qui est bizarre, c'est que ça me paraît pas très percé, les trous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, je crois qu'en fait, elle avait plus de batterie. Parce que là, elle démarre plus. Donc je pense que c'était juste un problème de batterie. Ah non, mais là, je vais me faire mal à la main. Vu que j'ai déjà ma tendinite et que le montage, je sens que ça fait pas du bien du tout à ma tendinite, je crois que je vais demander à mon copain de le faire. Mais non. J'ai pris celui qui avait pas de coffre. Je savais pas qu'il y en avait un qui avait pas de coffre. Ah non, mais j'ai le seum. Et là, je le monte depuis tout à l'heure, je me pose pas la question pourquoi il n'y a pas le coffre. C'était un échec. Bon, il est 14h12 et je viens de me mettre à jour sur les commentaires du premier Vlogmas parce que pour l'instant, pour moi, il n'y en a qu'un seul qui est sorti. Mais merci. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde. Je pense que vous le comprendrez, mais vraiment, pour ceux qui prennent le temps de me mettre un petit mot, je voulais absolument tout lire. Là, il y a actuellement 2100 commentaires. J'ai jamais eu autant de commentaires, même sous le vlog de l'année dernière, le premier Vlogmas, il n'y en avait pas autant. Donc, merci énormément. Là, je vais étendre ma machine, en relancer une, manger un petit peu parce que je commence à avoir faim, mon copain est parti là. Et après, on se remettra. Ma machine est terminée, j'ai mis un cycle super court. J'ai mis 30 minutes. Je fais sécher mes rideaux à chaque fois directement sur la tringle. Hein. Je crois que ceux-là, ils n'ont pas trop besoin d'être repassés. C'est pas comme ceux en lin là, que j'ai mis, qui se froissent et la matière est très froissée. Les rideaux, ils venaient de chez Eminza. Et vous avez le lien, je crois, en barre d'infos, il me semble que je l'ai mis. Maintenant, je vais mettre les deux autres à laver. Bon, et pour continuer, alors dans la chambre, il faut que je vienne prendre tout ce qui est housse de coussin et tout. Je sais plus où c'est. C'est dans le dressing. Je crois que c'est dans cette boîte-là. Mais le dressing, c'est le bazar. Il y a mes sacs. Mais dès demain, on remédie à ce problème. Ces housses de coussin viennent de chez Maison du Monde. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'en ai deux comme ça. J'ai les housses en velours. Oh, il y a un truc dedans. Une chaussette ou un truc? Ça, c'est quand je lave et après je range et voilà. Et j'ai aussi un plaid comme ça. Et après, j'ai ceux-là. Je sais même plus d'où ils viennent. Ils viennent de chez Bouchara. Voilà du coup à quoi ressemble la compo du canapé initialement. Du coup, je vais changer... Je sais pas encore ce que je vais changer.
Je pense que je vais quand même peut-être... Je sais pas si je laisse les verts, j'aime bien les verts. Les sapins. Ce serait bien que ce soit eux, mais ils sont beaucoup trop gros. Il y a moyen que j'ai mis deux coussins dans une seule housse. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir le faire. Je viens de terminer de tout décorer, de tout nettoyer, de tout ranger. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. On commence par l'entrée. Quand on rentre, franchement, il va faire nuit là, donc on voit plus grand chose. Mais justement, j'ai allumé toutes les petites lumières, j'ai fait charger les lumières et du coup, tout est hyper intense, c'est trop beau. En fait, j'aime trop. On voit pas, on se rend pas trop compte parce qu'il fait bien sombre. Mais franchement, c'est très joli. Là, j'ai rien touché ici et ensuite ici, j'ai juste mis un calendrier de l'avant. Celui de Rituals qui est trop beau. Au pied du sapin, j'ai juste mis la boîte aux lettres pour cacher la multiprise. Le sapin, et bah écoutez, j'ai rien changé. Et du coup ici, il y a beaucoup plus d'espace, je pense que vous le verrez, parce que j'ai enlevé mes deux poufs qui étaient là. Je les garde, je les remettrai bientôt. Mais c'est vrai que ça fait plus de passage aussi, enfin ça ferme moins l'espace. En fait, je déteste cet angle, je déteste les angles, et du coup là, j'aime pas le tapis. J'ai mis le petit pouf ici, comme ça, ça laisse quand même, parce que quand on invite, en fait, on a besoin de pas mal d'assises. Le canapé, du coup, voilà ce que ça donne, j'aime bien. Ici, eh ben, j'ai caché, j'ai pas eu le choix, en fait, ici, c'est vraiment une solution d'appoint, on va dire. Il faut que je range les fils encore qu'il y a en dessous et que je répartisse mieux les vinyles. D'ailleurs, merci, je savais pas qu'il existait des protections UV pour les vinyles, j'achèterais ça. J'ai été obligée de cacher, enfin pas forcément de cacher, mais de mettre l'enceinte là et l'enceinte en dessous de la plante ici, vous voyez. J'ai pas eu le choix en fait, parce que bah, sinon la plante tient pas et je veux absolument qu'elle ne meure pas celle-ci. Et comme sa place est ici, je veux la laisser ici. Ça c'est trop beau, franchement j'aime beaucoup ce petit truc. Et puis les rideaux, et ben j'attends qu'ils sèchent mais ça rend trop bien ça. Attendez, pourquoi j'ai un trépied si long? Voilà, c'est quand même plus pratique mais ça accentue un petit peu cet effet de Noël et j'aime beaucoup. J'ai mis un plaid bordeaux ici, voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté, et ben j'ai changé la pile du sapin. En fait c'était les piles qui étaient à l'intérieur qui étaient complètement mortes parce que là le sapin il est ultra lumineux, c'est trop beau. Franchement j'aime trop ce petit truc. Trop joli, et voilà ce que ça donne, pareil, j'ai mis des piles là-dedans, c'est super fort, dans les trois petits sapins qui venaient de chez Action, je crois. Voilà, là j'ai pas changé grand-chose dans les décos, d'habitude je décore un petit peu plus ici, mais là non, j'ai juste mis le cadre que je mets chaque année, ma petite plante, ma nouvelle plante du coup qui était sur les enceintes, je l'ai mise ici, et après j'ai mis ici le nouveau bougeoir doré là, ici. Et c'est tout, voilà. Du coup, ce que ça donne, franchement, j'aime beaucoup. Je suis très très contente du résultat. Maintenant, il est quelle heure? Il est 16h50. Je vais me poser un petit peu sur le montage parce que il faut que je dérush. Je vous retrouve dans mon canapé. Il est 20h27. Je suis dans une position, mais au moins je fais du montage, je travaille. Mon copain est descendu chercher, on s'est fait livrer ce soir. J'ai mal aux yeux là avec les écrans, c'est bien, ça va me faire une pause. Depuis tout à l'heure, je vous ai repris, il était à peine 17h, je fais que monter. Je suis restée sur l'ordi, monter et mon vlog est sorti, donc j'ai checké un petit peu que tout se passe bien, j'ai répondu aux premiers commentaires. Donc là on va manger devant je sais pas quoi. Desperate Wife, mais mon copain avait pas l'air hyper chaud. Donc on verra, et par contre il faut que je commande. Je pense que je vais commander ça sur Amazon, des protections pour vinyle. Je pense que j'ai pas tapé la bonne chose. Regardez sur quoi je tombe. En gros je pense que c'est un truc un peu comme ça, transparent, mais là il n'y a pas marqué protection UV, donc il faut que je vérifie bien. Je vais essayer de regarder, après peut-être au pire je commanderai pas sur Amazon, c'est juste qu'Amazon ça arrive vite, donc je vais regarder où je trouve ça. Et on va manger et c'est bien, ça va me faire une pause, je suis contente. Bien entendu, le meilleur endroit pour trouver des pochettes plastiques de protection. Bon là, il est beaucoup plus tard, il est 23h30. Depuis tout à l'heure, je suis à la recherche de trucs de protection pour les vinyles. J'ai regardé des vidéos, je cherche sur le site, j'ai les yeux explosés. Vraiment là, j'ai vraiment très très mal aux yeux. Je pense, je suis pas du tout sûre de ce que j'ai trouvé, mais... je vais prendre ça, on va essayer. Comme ça, là, je crois que c'est un lot de 50 qui est à 20,50 €. Et ça, parce que je voulais vraiment, comment dire, mais une double ouverture pour que ce soit plus simple pour prendre les vinyles, en fait.
par flemme un petit peu. Ça va être beaucoup plus long de les sortir s'il n'y a qu'une seule ouverture. Et donc là, c'était 21,99€ ceci. C'est beaucoup plus cher alors qu'il n'y en a que 10, mais il y a la double ouverture et c'est en PVC, donc normalement c'est beaucoup plus épais. Voilà, mais écoutez, ceux-ci ils arrivent lundi, donc on pourra tester ça, et ceux-ci ils arrivent bien plus tard par contre. Bon, ça y est, j'ai passé ma commande, là je vais me démaquiller. Tout à l'heure, quand j'ai détaché mes cheveux, j'ai mis un petit peu d'huile parce que je vais laver mes cheveux demain matin. Vous avez vu, j'arrive à tenir 3 jours maintenant au lieu de 2. Ils sont pas clean, surtout que là tout à l'heure. Donc j'ai mis de l'huile sur mes longueurs, l'huile On The Wild Side, et mes cheveux me grattaient. Donc j'avais envie de mettre un petit sérum sur le cuir chevelu. Et celui qu'on peut mettre sur le cuir chevelu et que je teste en ce moment, c'est celui pour faire pousser les cheveux de chez Freshly. Il va un peu pénétrer, on le sent plus quoi après. On peut le mettre un peu comme une crème de jour, vous voyez, on n'est pas obligé de se laver les cheveux direct après. Donc j'ai mis ça, et d'ailleurs ça me gratte plus. Je vais me démaquiller. Oh, attendez, mais après le démaquillage, je vous parle d'une crème que j'ai testée. J'ai absolument besoin d'avoir vos avis si vous l'avez testée. Elle est trop bizarre. J'ai une tonne de bijoux. Chaque fois que je retire mes bijoux le soir, je les mets là. Regardez. Je pense qu'il va falloir vider le stock un de ces jours. Pour le démaquillage, c'est soit je me démaquille à l'huile sous la douche, et après j'enlève ce qui reste avec un coton et du démaquillant. Soit je fais l'inverse, là je vais faire l'inverse. En démaquillant, c'est bientôt la fin, mais le garni est biphasé. En fait, ce qui est le plus dur à faire partir, c'est mon mascara. Parce qu'il est... Ah bah non, c'est pas un mascara waterproof que j'ai mis aujourd'hui, j'ai mis le mascara Fenty, mais j'ai mis un top coat waterproof en dessous, donc c'est pareil, c'est aussi galère à enlever. J'ai mis du démaquillant et je laisse poser, je laisse le mascara se dissoudre, et après je viendrai frotter. Et ensuite, quand je frotte, ça part beaucoup plus facilement, vous voyez. Je vais finir de me démaquiller et ensuite je vous retrouve une fois que je suis douchée en pyjama pour les soins du soir. Ça y est, je suis douchée. J'ai mis mon petit pull de Noël. Celui-ci, c'est une de la collection de cette année. C'est ma mère qui me l'a pris à Kiabi. J'applique... Oh, j'ai oublié de vous montrer. Ben, je vais vous montrer après. C'est mon sérum de chez Freshly. Le sérum pour l'acné. La crème que j'ai ouverte hier, c'est une crème que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, mais je ne l'avais pas ouverte. Hein, donc elle est normalement encore bonne, mais c'est ma question. C'est la marque Ococo, cette marque-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Diamant bleu Ultra Clarifying Cream. Elle sent super fort, moi je suis pas hyper fan, mais par contre elle est contre l'acné, destinée aux peaux grasses, et en même temps elle hydrate super bien. Mais par contre, je sais pas si quelqu'un l'a, je suis allée voir sur le site, j'ai pas réussi à trouver des photos de la texture. Par contre j'ai vu des images du prix, 30 ml, 130€ je crois, je sais pas combien de millilitres il y a, je dirais 15. Mais regardez la texture, si vous l'avez ou si vous l'avez eu, dites-moi si c'est normal, elle est hyper épaisse. Regardez, si je passe par exemple avec mon doigt, c'est vraiment comme un baume. J'espère que la texture est encore ok. Mais du coup ma peau est très confortable. Et en contour des yeux, j'en ai ouvert un hier ou avant-hier. Et c'est celui-ci de chez Clémence Yvesvien, contour des yeux défatigant. C'est un format un peu pipette, comme une huile, mais ça fait pas texture trop huileuse. Moi j'ai eu peur quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, ça va être trop riche. Et en fait, ça pénètre vraiment dans le contour des yeux. Baume à lèvres, mon préféré c'est celui-là. J'en ai plus, enfin j'en ai plus, je l'ai terminé, mais j'en ai encore en backup. Du coup je vais l'ouvrir. Il est trouvable sur YesStyle. Et franchement, il est hyper efficace, il reste sur mes lèvres toute la nuit. Il est pas brillant, il fait un effet mat sur les lèvres. Maintenant, je viens de me poser sur le canapé, il est... Vous voyez pas. Minuit 31. Je vais finir du coup le montage du vlog. J'en ai pas pour très très longtemps, je pense. Enfin, dans une heure, ce sera. J'avais plus de batterie, mais avec cet appareil photo, c'est très simple de changer la batterie. C'est génial. Ça me fait plus râler. Bon, je vous disais que je vais clôturer ici parce que j'en ai plus pour très longtemps. Mais avant, je voulais vous laisser avec le concours du jour. Et comme d'habitude, les conditions de participation sont en barre d'infos. Alors, le cadrage est un peu spécial, mais dans le lot du jour, on a la palette NYX qui fait un gros reflet de l'anneau. C'est pour ça que je filme comme ça. C'est une de mes palettes préférées, vraiment. Elle est excellente, celle-ci de chez NYX. La Ultimate Utopia. J'ai aussi mis un petit quatuor de produits de chez Charlotte Tilbury, la palette Triple X pour le teint de chez Martine Cosmetics, que vous pouvez aussi utiliser sur les yeux, plein de petits produits pour les yeux, liner, crème pour les mains, highlighter, mascara, des produits pour les lèvres, et en produits soins, j'ai mis des produits de chez Freshly Cosmetics et l'huile Skin Therapy de chez
chez Arborian. Et voilà donc pour le lot du jour. Si le lot vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Toutes les informations de participation seront en barre d'infos. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi, je vais aller dormir bientôt et reposer mes yeux des écrans. Si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci pour tous vos retours. Et puis, eh bien, je vous dis à demain, 18h. Bye!